Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on va discuter le conditionnel passé. Premièrement, on va discuter comment former. Vous commencez avec un verbe et vous le mettez au passé composé. Alors, par exemple, avec le verbe parler, ça devient j'ai parlé. Avec le verbe choisir, c'est j'ai choisi. Puis après ça, vous devez mettre le verbe auxiliaire au conditionnel. Alors, par exemple, dans mon exemple ici, c'est j'aurais. Et je remets dans la phrase « j'aurais choisi ». Et attention parce que ça marche avec tous les verbes, mais les verbes qui utilisent « être » doivent utiliser « être », etc., etc. On peut avoir « je serais allé », par exemple. Ok, j'ai un exemple pour vous. Il faut regarder la vidéo. C'est un peu lent. Alors, comme vous pouvez voir, il nage. Et bon, c'est ça. Alors, la tortue a nagé. Comme vous pouvez voir, il a nagé. Mais, si on clique arrête, si on avait Mario, il n'aurait pas nagé. Ah non, il aurait nagé, mais il n'était pas dans l'eau. Alors, Mario aurait nagé, mais ce n'est pas possible parce qu'il n'est pas dans l'eau. Un autre exemple, on a le rhinocéros. Et il mange l'herbe, comme vous allez voir, quand ça joue finalement. Ok, comme vous pouvez voir, il mange. Maintenant, il a mangé l'herbe. Mais le lion, parce que ce n'est pas végétarien, il n'aurait pas mangé l'herbe, il aurait mangé de la viande. Alors, c'est ce qu'il aurait fait, c'est une situation différente. Alors ici, les règles. C'est une situation qui n'existe pas, mais qui est au passé. Je serais allé à la fête, par exemple. Je ne suis pas allé, mais si j'avais l'opportunité, je serais allé. À vous de pratiquer. Ok, tu sortis avec tes amis, prends un moment. Je vais vous montrer dans 3, 2, 1. Tu serais sorti avec tes amis. Parce que sortir est un verbe qui utilise être. On doit utiliser être ici, on met être au conditionnel. Et on a serait sorti avec un E possible. Puis, nous, manger du fromage. 3, 2, 1. Nous aurions mangé du fromage. Ici, c'est manger parce que, en fait, c'est avoir parce que c'est manger, c'est un verbe qui utilise avoir. L'autre option, nous en aurions mangé. On peut remplacer le du fromage avec en. C'est pas très important, c'est juste une chose supplémentaire, mais c'est aurions mangé qui est le plus important. Un autre exemple, c'est avec les phrases « si », et j'ai déjà utilisé plusieurs phrases « si » dans cette vidéo. Une phrase « si » avec Mickey. « S'il avait été un chat, il n'aurait pas eu autant de succès. » Ici, on a le plus que parfait, « il avait été », et puis on a le conditionnel passé, « il n'aurait pas eu ». Donc, dans ce cas-ci, c'est une phrase « si » avec le plus que parfait et le conditionnel passé. Donc, on peut avoir « si » plus que parfait, conditionnel passé, ou conditionnel passé, si plus que parfait. Finalement, si vous voulez faire des répétitions supplémentaires, vous pouvez aller à ce site web pour pratiquer. Merci mille fois.